Bienvenue dans ce nouvel épisode de Red Dead Redemption 2. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons reprendre nos aventures. Comme au bon vieux temps, avec Charles, que nous avons retrouvé dans l'épisode précédent. Espérons que ça se passera mieux cette fois. Et voilà. Je ne l'avais pas dit, Charles. Hein. Ce type est plus aigri que du lait tourné. Pas étonnant qu'elle soit pas restée. Même vieille putain à la retraite, voilà pas de toi. Ose me dire que j'étais. Dans le temps, tu savais rigoler, mais maintenant. T'es pire qu'un crotal avec une râle dedans. Arrête pas de geindre et de pleurnicher. Pardon? Pas la peine de prendre la mouche, ça va rien changer. T'es un cas désespéré. Et dis ça au pied de la lettre. T'as aucun espoir. Regarde-toi. Regarde ce taudis. La piole de tes rêves. Les pires cauchemars sont mieux que ton rêve. Oh, Abigail, chérie. J'ai changé. Viens vivre avec moi dans un cabanon. Dans lequel j'inviterai. Où tu vas en venir? C'est moche, c'est qu'un taudis. La maison, il faut la raser. Un peu de dignité, misérable sac à merde. Construire une maison digne d'une vraie dame. Il manque juste une touche féminine. Il faut la raser. Aucune femme ne touchera cette bicoque. Il n'y a pas tort là pour le coup. Avec les chevaux, on peut faire ça en 2 minutes. Allez, on y va, attache ce bout autour des chevaux. Fais le tour avant l'autre bout. Et les chevaux vont ratiboiser tout ça. Je peux pas en construire une nouvelle avant de la détruire. Alors, allons-y. C'est bon, Sean. Je tire quand tu tires. Allez. Mais je pousse là. Ça veut juste pas. Je comprends pas. Mais je sais pas. Vas-y, tire. Faut jouer. Ah, mais d'accord, il faut que je clique. Ah zut, hein. Moi je restais appuyé comme un con. Allez, on clique, on pète la souris, on se nique le doigt. Ça valait le coup de péter la maison. Vous allez dormir dehors ce soir. Bonne idée. Tu vois, je t'avais dit que ça marcherait. Et maintenant? Maintenant, on va aller en ville. Pour s'acheter une maison dans un catalogue. Comme si on s'achetait une bicyclette. Où ça en ville? Un type vend dans sa boutique près du dépôt. Cakes Hardwood et Tim. Bon, tu restes pour travailler ici. Mais si je viens pas avec toi, qui va? J'ai besoin d'un peu de calme. Moi, on était bavardage incessant. Fouette-le s'il le faut. Fais-le travailler. On va s'acheter une maison, du coup, apparemment. Ça s'achète comme ça. Non, je vais pas descendre. Je vais faire ça. Je vais manger un peu. Un peu de saumon en boîte, tiens. Pas quel goût ça a, le saumon en boîte, mais... J'ai des doutes. Non, c'est pas du tout ça. On va avoir une carabine quelque part. Voilà. Un sniper. Parfait. Maintenant, je veux juste les équiper. Comme ça, quand je descends, je les ai. Je me retrouve pas avec des vieux pistoles. En cas de problème. Par contre, je sais pas comment j'achète une maison, j'ai pas de sous. Hop. Ah bah voilà. Il laisse à manger. Juste à me parler. Bah y'en a là. Construise des maisons là. Nope. Ah y'a embouteillage quoi.
Il y a deux chevaux, une charrue et un embouteillage. Lol. C'est même pas moi. Oh, Sadie. Tu... T'as du travail? Ouais. Toujours du boulot. Il y a une journée de travail. Mais c'est pas là qu'il fallait que j'aille? Bah merde alors. Bah bon, il y a que ça. Salopards, les victimes des salopards. Les salopards qui veulent trouer la peau d'autres salopards. Toi, tu fais partie de quel groupe? Moi? Dans l'époque, des trois. Mais... Comme tout le monde. Je vois. Ce qui est drôle à propos de cette mission, enfin, cette opportunité, c'est que j'ai la possibilité de refaire partie des trois groupes à nouveau. Comment ça? T'as entendu parler de Shane Finley? Le voleur de bétail? Et assassin et voleur et tueur d'enfants. Il est recherché dans 5 états. Je l'ai attrapé la semaine dernière. Il était planqué dans un bordel et se faisait passer pour une femme. Ah oui. J'étais en train de le ramener au shérif quand je me suis fait braquer. Par un rival de la profession. James Langton. Une sale ordure. J'aimais déjà pas beaucoup avant qu'il ne me braque. Ça arrive souvent dans ce domaine. Oui, mais ce sont des gens qui me ressemblent. En tous les cas, ils se terrent dans le désert, au sud, et ils attendent leur heure pour le livrer à la cavalerie. J'aurais fermé les yeux sur cette histoire, mais... Maintenant que tu es là, peut-être qu'on pourrait essayer de braquer les braqueurs. Ça paie bien? Oui, très bien. Et puis, j'aime pas me faire braquer par qui que ce soit. Allez, où est-ce que t'as dit qu'on allait déjà? Je crois que je viens de me faire hijack ma mission. Je viens de me faire hijack ma propre mission là. Bien joué. J'ai l'impression d'être allé au bon endroit, mais en fait, je crois que je me suis trompé. Ouais, non, y'a rien. Hein. Allez, ça dit. Mais je t'attends depuis 10 minutes en fait. Hein. C'est un nouveau cheval. Certains achètent des rangs, d'autres achètent des chevaux. Les chevaux coûtent moins cher. Il a l'air méchant. Et il l'est. Très bien. Mon ranch, c'est quelque chose, tu sais. Faut vraiment que tu viennes voir. J'ai fait une barrière. T'as pas eu de problème? Quelques indésirables, rien de plus. Tant mieux. Peut-être que les types dont on m'a parlé se sont installés au nord et ils sont partis ailleurs. Bien, ils sont morts sur la route. C'est un endroit bien. Tous les endroits sont bien, seuls les gens ne le sont pas. Tu sais qui a décidé de venir avec moi? L'oncle. En plus de l'oncle. Abigail? Abigail a pas encore prévu de me rendre. Ah bon? Tu veux m'en parler? Ouais, peut-être. Mais Charles Smith. On a trouvé Charles Smith. Charles? Il est vivant? Ouais, il va bien. Il participait à des combats de boxe à Saint-Denis. Ça avait pas l'air d'aller fort, je sais plus parler. Il a eu la vie dure, mais je pense que la vie dans les plaines lui fera du bien. J'ai toujours apprécié Charles. Transmets-lui mes amitiés. Bien sûr. Tu sais que tu pourrais nous rejoindre, non? Construire une cabane sur nos terres. Ah, je suis déjà passé par là. J'ai pas envie de recommencer. Je suis seul maintenant, John. Je suis pas doué avec les autres. La proposition reste ouverte, c'est quand tu voudras. C'est gentil. Il y a peu de chances que j'accepte, mais c'est gentil. T'as des nouvelles de Dutch? Aucune, et toi? Non. Vu que c'est un personnage haut en couleur, j'aurais pensé en entendre parler. C'est une façon de voir les choses. Écoute, ce qui est arrivé à la bande nous a tous changés. Et Dutch qui m'a enroulé comme dans une couverture après l'incident avec les Audrey Skull, c'est pas le même qu'à Beaver Hollow. Maintenant, il est probablement plus aussi haut en couleur. Tu vois un homme qui a changé. Moi, je vois un homme qui a été démasqué. L'homme qu'il est vraiment.
C'était stupide de le suivre. J'étais stupide de l'aller payer le prix fort. Et encore, j'ai eu de la chance. Micah, John. C'est Micah qui a mis le feu aux poudres. Je m'en veux d'avoir suivi Dutch aussi longtemps. Mais pour le reste, j'en veux à Micah. Il court toujours. Et un jour, j'espère qu'on le retrouvera. Mais pas aujourd'hui. Tata. Cours, petit cheval. Tu peux le faire. Cours. Il y a un endroit qui surplombe toute la région, un peu plus loin, pour aller voir facilement. Et donc, James Langton, le chasseur de primes, détient le hors-la-loi que tu as capturé dans un pensionnat de femmes. Shane Finley, effectivement. Et le but, c'est que Langton nous le livre avant qu'il l'emmène vers le nord pour le livrer à la cavalerie. C'est bien ça, même si l'idée est de nous le rendre très optimiste. Je suis un grand optimiste. Tu sais, j'ai fait des missions de chasseur de primes de mon côté depuis la dernière fois. J'ai pas l'intention de faire que ça. Coupons par ici. C'est quand même toujours aussi joli ce jeu. C'est là. Sacrée vue, en effet. Sacrée vue. Viens, on va jeter un œil dans la vallée. Oh, je vois quelque chose. Ouais, je vois pas où, mais... Les voilà, là en bas. Ouais. C'est pour chercher celui qui est ligoté. C'est eux, là. Ouais. Un type avec le drôle de chapeau, c'est James Langton. Les autres travaillent juste pour lui. Ils vont où, à ton avis? Viens, on va les suivre. Je sais pas comment on descend, mais on est un peu à la traîne. Hein. Ouais, ils vont couper par le canyon en dessous de nous. Allons-y. Ils vont passer par ici. Ok. Et voilà, on les suit, on les perd pas des yeux. Toi, qu'est-ce que tu fais? Attends, c'est toi qui me fonce dessus. Pas vers le nord en prenant cette direction, tu fais quoi là? Non, mais zut, c'est à moi que tu parles ou à Langton? J'ai pas l'habitude d'être accompagné. Il y en a une qui s'arrêteront avant pour les observer plus facilement. Tu sais comment ils pensent. Quand on a moins de flingue, il faut savoir réfléchir un peu. L'embouchure du canyon est plus loin, l'écueil ira là-bas. Allez, faisons ça. Descendre ton cheval, c'est peut-être notre chance. Ouais, il s'arrête. Pas sûr que c'est Shane Finney qui met les pieds à terre. Ah, pour sûr. Ah, des hommes de Langton, je crois. Tu débrouilles bien, Langton. Comment ça se fait que tous ces hommes et que toi, tu travailles seul? Enfin, qui a tous ces hommes? Je tais-toi. Tu veux 10 d'entre eux. Bah, tiens. Qu'est-ce que t'en penses? La menace, on leur sort dessus et on se faufile. Ou on les descend un par un. À ma vie, la discrétion est la meilleure option.
Sniper. Mais je te laisse décider. Menacer la bande, tirer sur la bande, se faufiler. Faut essayer de se faufiler si tu veux, hein, mais... Moi, je veux bien leur... J'ai pas mon sniper, par contre. Alors, va se faufiler. Je te suis. Vas-y, glisser discrètement en bas. Alors, suis-moi. Baisse-toi et t'éloigne pas. Descends dans le canyon. Ok. T'inquiète. Il y a deux types en dessous, rapprochons-nous. Je sais pas où elle les a vus, mais... Ah oui, en effet. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Il n'y a pas deux, j'en ai vu trois là. Faut pas hésiter, prends-en un, je prends l'autre. Comment je l'ai eu? Je devrais en avoir un autre. Je m'occupe de lui. Vas-y, vas-y. Hop. Ils nous entendent sur ces ponts, ça vaut le coup d'essayer. Quel abruti. Ça nous a fait ce con. Que toi de la crête nous attaque par en haut. Je sais pas d'où il sort, mais ouais. Allez-y. Ça gage. Maintenant, quel avantage, hein? Aïe. Ah merde, j'ai plus de... J'ai plus de boisson. Allez, mange. Enfin, bois plutôt. Ah mais pourquoi je peux pas prendre mon truc, là? Il me saoule. Plus rien, moi. Bah, c'est parce que je suis j'ai rien en fait. Okay. Ah, mais je suis vraiment cool. Restons pas là. Je peux pas recharger tes barres. Mais je vise vraiment comme un pied. Hein. Attendez, c'est ma carabine qui pue là, non?
Hop. Ça, je tire au travers, pas du tout. Il n'y a plus personne. Ah, si, il y en a encore. Regarde-le, la mort. Je t'avais pas vu que je suis descendu tous tes hommes, Langton. Ton poison est mort. Ça facilitera les choses. On sera payé quand même. On finit et on se tire. Yep. Je pensais que j'avais mon sniper avec moi, mais. Croire que non. Ou avec celle-là. Ah, j'essaye, j'essaye. Sur la gauche, ah, encore. Allez-y. Je pense qu'on a fini avec eux. J'espère. Parce que. On est dans la merde sinon. Bounty Hunter, the Bounty Hunter. Tu comptes me parler? Non. Je crois pas avoir grand chose à dire. Les dernières années t'ont pas calmé, on dirait. J'ai l'air d'être calme. Qu'est-ce qui t'arrive? Finley et Langton sont morts. Ces hommes aussi, mais t'as récupéré ta prise. Alors. Écoute, John, si je me défends par moi-même, personne ne le fera. C'était des criminels. Oui, je sais. Je suis plus fait pour ce boulot que pour m'occuper d'un ranch. Ou d'une famille. Peut-être aussi que je suis juste bon pour tuer. C'est pas vrai, John. Tu veilleras sur ton porche entouré de tes petits-enfants. C'est juste un moyen d'y arriver, c'est tout. Je sais pas si tu peux faire les deux. Parfois, je sais penser. C'est pour ça qu'on a l'alcool, ou la pêche, ou n'importe quoi d'autre. T'es assez solide pour endurer ça. J'espère, ça n'a pas toujours été le cas. Allez, à la prison. Montrons-leur le corps. Enfin, montrons-leur le corps. J'espère que t'as pas mal lu la vie de recherche. On verra bien. Mais lui, elle est en chauvin. J'arrive peut déjà prévenir le procureur. On amène Shane Finley. Enfin, ce qu'il en reste. Il y en a rien que c'est lui. Dommage, je me fais une joie de te voir, Wincor. Mettez-le à l'arrière, d'accord? Je croyais que vous l'aviez perdu. Oui, c'est vrai, mais on l'a retrouvé. Oh oui, James Langton est mort. On l'a tué. Mais pourquoi vous avez fait ça? C'est lui qui m'a dévalisé. Ah, je vois. Et tu le dis, toi? La prime sur Fenley est pas mal.
Je sais. Tu veux que cet argent aille à la banque aussi? Non. Je vais m'en occuper. Très bien. Jim Milton. C'est John Marston ici. Comme tu veux. Tu as besoin de travailler, tu sais où me trouver en ville. Alors, c'est moi qui te trouve. C'est terminé pour moi. Oui, oui. Porte-toi bien, John. 150 thunes, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.